Le merveilleux moment des fêtes, yo! Qui veut voir le grand concert de Noël? Hein? On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va répéter les applaudissements chaleureux pour accueillir Angela! Merci beaucoup, merci beaucoup! Merci, les amis. Voici une chanson de Noël que me chantait tout le temps ma grand-mère quand j'étais une toute petite fille. Au fait, il n'y a qu'une seule chose que je souhaite pour Noël. Il y a un truc que j'aime au moment de Noël, les cadeaux. Trop vrai. Les boules de gui. Les confiseries. Et savez-vous ce que je déteste à Noël? C'est quoi? Les rennes. Les rennes qui piétinent sur mon toit. Qui mangent toutes mes carottes. Ruinant mon bonhomme de neige. Affreux méchant rennes. Putain, cette scène! Oh? Oh non, mais pourquoi? Il y a le feu? Votre chanson sent aussi mauvais que vos pieds. Quoi? Un chalutin? Dans mon théâtre? Tu ferais mieux de te montrer avant que je ne te trouve. Désolée, Angela, mais je ne le sens pas, ce plan. Et pourquoi tu fais l'asticot? Un asticot peut être terrible. Hey, Angela, je peux savoir pourquoi t'es si triste? Ce n'était qu'un chahuteur. Non, Tom. C'est bien plus que ça. Bien plus. Ça me replonge dans un passé où j'ai déjà été chahutée. Affre méchant reine, ruinant mon bonhomme de neige. Ruinant mon bonhomme Putain de neige. Cette scène. Votre chanson sent aussi mauvais que vos pieds. Qui peut faire une chose pareille? Qui peut bien embêter une charmante petite fille qui chante une jolie chanson qui parle de Noël? Toutes les portes sont fermées et on est les seuls ici. Et comme je suis sur scène, ça ne peut donc pas être moi. Ça veut donc dire que ce chahuteur est un de vous. C'est ma nouvelle sonnerie. Personnellement, je suis choqué et consterné que quelqu'un embête Angela. Eh bien, tu ne devrais pas, étant donné que cette personne, c'est... toi. Oups, désolé. Une simple recherche avec les mots-clés Tom et chahuteur nous affiche que toi, Tom, et ce n'est pas une fois ni deux, mais trois fois, que tu as été retenu après les cours pour chahut. Et une fois, cela s'est produit au moment du concert de Noël. Tom, t'es un chahuteur? Comment as-tu pu faire ça? C'était une époque différente. J'étais jeune et j'avais un problème de concentration. J'arrêtais pas de parler. J'étais un véritable moulin à paroles, impossible de la fermer. Et je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tom! Le Tom dont tu parles, ce n'est plus moi, d'accord? Jamais je ne chahuterai, Angela. Je voudrais tellement te croire. Tu peux. Hé, Angela, attends! Il faut que je trouve le vrai coupable et que je lave mon honneur. Heureusement, je connais toutes les ficelles pour résoudre les mystères grâce à mon émission préférée, le professeur Pistard et Larry Noceros. Vous savez, l'émission avec des clichés sur les Anglais qui essaient d'être intelligents et de le montrer. Il est motard, mon cher Tom. Dans ma vie, je n'ai jamais été formé pour être un brillant détective, sauf le fait de porter ce chapeau que je trouve très chic. Je peux affirmer avec un certain degré de certitude que le coupable est... Ben, si c'est ton véritable nom! Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais, hein? Je te pose une question qui est claire! C'est le professeur qui pose les questions. Ben, est-ce la vérité, oui ou non, que tu as dernièrement développé une appli qui s'appelle... Brouhaha? Le fer! À tourner. Le vent, oui, tout ça c'est vrai, mais... Que fait-elle, cette appli? Elle fait du chahut. Ha ha, je veux dire ha ha, à l'anglaise. Élémentaire. Ce n'était pas moi, je n'ai fait cette appli que pour m'entraîner à gérer les chahuteurs pendant mes one-man shows. Tenez, regardez, voilà. Pourquoi les aimants gagnent les concours de beauté? Parce qu'ils sont très attirants. Trouve-toi un vrai boulot, t'es trop nul! Ginger, toi, t'es un chahuteur. Oups.
Quoi ? Tu penses que c'est moi qui aurais pu embêter Angela ? Tu aimes bien chahuter. Exact, professeur Pistartum. Ginger, mais bien sûr, c'est évident. Je devrais dire élémentaire. C'était pas moi ! Je vous le prouve tout de suite. Hop ! Hank, laisse-moi te poser quelques questions. Tu es somnambule, c'est vrai ? C'est vrai, toute ligne. Et quand tu marches en dormant, tu hurles dès que tu croises quelqu'un sur ton passage. Bien sûr. Et dans le concert d'Angela, c'était quoi ton moment préféré ? J'en sais rien, je me suis endormi. Oh, élémentaire ! C'est ridicule, Tom. Désolé, mais ton enquête n'a absolument rien prouvé. Et tu es toujours le seul à avoir fait du chahut à un concert de Noël. Et étant la première concernée, tu es coupable ! S'il te plaît, Angela, il faut que tu me croies. Je ne t'aurais jamais fait ça. Coupable ! Honnêtement, Angela est la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Et si elle pense que je suis le coupable, alors elle ne tombera jamais... Vous pensez que je suis amoureux d'Angela ? Oh, la bonne blague ! Bon, alors, voilà, donc... Non, je sais qu'on tourne en rond, mais je te promets que je vais trouver le coupable, quoi qu'il arrive. Eh, hey, quand le professeur Pistard tourne en rond, lui et la rhinocéros font toujours deux choses. Ils prennent un thé et ils retournent sur la scène du crime. Oh, ce thé est affreusement bon. En tant que serviteur de la couronne, je demande à voir les vidéos des répétitions d'Angela. Oh yeah, suivez-moi. Ha ha, il faudrait zoomer ici si c'est possible. Et c'est parti, à fond. C'est magique. Yo. Ha ha. Ok, j'ai l'impression que j'ai enfin découvert qui est notre coupable. Bravo, ça c'est du bon travail, professeur. Yeah. Regarde-le, il court en restant sur place. Oui, j'ai une danse en fonction de chaque humeur. Et là, je suis étonné. Et j'ai un petit creux. Je vous ai tous réunis ici sur la scène du crime et je vais pouvoir vous révéler non seulement qui a chahuté Angela ce soir, mais qui avait déjà fait la même chose alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Parce que figurez-vous que les deux chahuteurs en question ne sont en fait qu'une seule personne. Oups, désolé, je le mets sur vibreur. Et ces douceurs que vous appelez, semble-t-il, cookies, vont le prouver. Regardez, c'est qui ça ? Oh. Reposez ça dans cette assiette ! Tac ou tac ! Ha ha ! Je le savais ! Mesdames et messieurs, puis-je vous présenter votre coupable ? Le Père Noël ? Oh oh ! Je plaide coupable ! Je le savais ! Je veux dire, je ne le sais pas, mais enfin si, je le savais ! Quoi ? Mais enfin, Père Noël, pourquoi avoir fait ça, Angela ? Est-ce qu'une seule fois vous avez vraiment écouté les paroles de ces chansons de Noël ? Bon, d'accord, je m'incline. Vous savez, sorties de son contexte, ses paroles peuvent paraître un peu anti-reine. Je suis désolée. Dis donc, Tom, comment tu as deviné que c'était le Père Noël ? Eh bien, sers-toi de ton cerveau. Toutes les portes étaient fermées, ce qui veut dire qu'il fallait trouver un autre moyen pour entrer. Genre la cheminée. Waouh ! Mais il y en a une ici ! Très juste ! Ce n'est pas terminé. Mais la voix de robot, elle venait d'où ? Tu veux dire cette voix ? Oh, 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 un petit gadget que les lutins ont inventé pour moi. Oh, je suis désolé de t'avoir un peu chahuté, Angela. La chose la plus importante, c'est que nous ayons résolu ce mystère. Et maintenant, nous avons la certitude que jamais, 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 jamais je ne ferai quoi que ce soit qui blesserait les sentiments d'Angela. Jamais. Bien. Et maintenant, penses-tu toujours pouvoir faire ce concert de Noël ? Laissez-moi vous parler du Noël le plus fou que j'ai connu. Chahuté par le Père Noël. Alors, tu as trouvé ta mère Noël, jeune homme ? Tu vas lui dire ce que tu ressens ? Quoi ? Elle est 10 ans, enfin, je trouve qu'elle est un peu enfin, super chouette et bien élevée comme citoyenne. Oh, Tom, je suis le Père Noël. Je sais quand tu dors, je sais quand tu es réveillé et je sais quand tu mens. Non, non. Oh, hey, Angela, coucou. Je suis tellement contente que je pourrais recommencer. Et tout ça, c'est grâce à toi, Tom. J'ai un petit quelque chose pour toi. Oh, fallait pas, c'était pas la peine. Et je crois que ça résume très bien le rôle important que tu joues dans ma vie. Il faut que j'y aille. Oh, juste ami pour toujours, hein ? Eh ben, le juste me semble tout à fait inutile, hein ? Viens, on va s'éclater ! Ouais.
Tu pourras pas